Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Flesh and Blood qui intègre mon grand dossier d'explication du jeu. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais filmer avant un temps. Mon dossier ne sera pas complètement fermé puisque je pense que à chaque sortie d'extension, je referai des vidéos d'explication des mécaniques de l'extension, ouverture de booster, partie, construction de decks scellés, etc. Mais voilà, en tout cas pour une première présentation globale, toutes les vidéos que j'ai publiées devraient s'arrêter là pour un petit moment. La vidéo d'aujourd'hui va vous montrer un petit peu comment construire un deck, non pas en construit, parce que je pourrais faire des vidéos de construction de decks construits, mais ça dépend de la collection de chacun. On n'a pas tous accès aux mêmes cartes, à la même quantité de cartes, etc. Du coup, voilà, il y a déjà des sites qui répertorient des decklists. Vous pouvez aller les choper et puis voilà. Malgré tout, quand je me serai attardé un petit peu plus au format construit, je vous montrerai peut-être quelques decks. Mais pour l'instant, j'ai jamais construit de deck vraiment perso, j'ai que piqué des listes, du coup ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, vous montrer comment je construis en format scellé, bien que je ne sois pas du tout un expert, peut peut-être vous aider. Parce que en plus, vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore le scellé, le draft, l'Omniligue. Et c'est vraiment des formats que j'essaye de bien pousser en avant parce qu'ils sont compétitifs si on veut que ce soit compétitif. Et c'est surtout ultra accessible en termes financiers et en termes d'investissement en temps, tout simplement. Il n'y a pas besoin de metagame vraiment à appréhender, en tout cas en scellé, en draft déjà beaucoup plus, et en ligue clairement beaucoup plus, mais ce metagame en ligue, il va se dessiner au fur et à mesure de vos parties. C'est là où justement ce format-là, il est excellent. Bref, j'ai une série de 6 boosters welcome, donc potentiellement 4 decks possibles. On va voir quel deck je vais réussir à tirer de ça. 6 boosters Arcane Rising, pour faire un scellé Arcane Rising. Je vous déconseille de prendre un scellé welcome et de le jouer contre Arcane, parce que welcome n'a pas de carte Arcane Barrière. Du coup, voilà, il faut jouer Welcome contre Welcome, Arcane contre Arcane. Alors pourquoi du coup je vais faire deux scellés? Tout simplement parce que j'avais envie d'utiliser en scellé Crucible of War, qui est une extension qui vient compléter Welcome et Arcane. Du coup, en prenant un booster Crucible, j'ai à chaque fois des armes pour améliorer mon premier scellé et mon deuxième scellé. On va partir avec Rémi et Alex, et même peut-être certains d'entre vous si vous voulez nous rejoindre, en mode scellé dans un tout premier temps. On va jouer du welcome et puis de l'arcane au fur et à mesure des parties en même temps. Et au bout d'un certain temps, on va améliorer nos scellés par du booster Crucible, par du booster welcome, machin. Et puis on s'échangera des cartes. Bref, on va faire une ligue. Et je pense qu'on la fera durer jusqu'au 30 avril, l'arrivée de Monarque. Alors aujourd'hui, on ne va pas ouvrir du Crucible, on ne va pas ouvrir de l'Arcane. On va simplement ouvrir Welcome, mon premier deck. Je ferai une vidéo de l'ouverture et de la construction de mon deck Arcane le moment venu. Et puis dès que j'ouvrirai Crucible, idem, j'ouvrirai les boosters avec vous. Je modifierai mes scellés en temps réel. Et puis, je vous ferai voir très certainement quelques petites parties en scellé. Voilà. Allez, on va s'ouvrir les boosters. On va aller relativement vite à l'ouverture. Je ne vais pas faire comme une vraie ouverture de booster. Enfin, si, justement, je vais faire comme une vraie ouverture. C'est que je vais trier les cartes tout de suite pour gagner du temps. Donc, on a nos génériques, notre équipement. Je vais tout de suite mettre les raretés par classe. Donc on a du Warrior. Oh, une M, ça commence super bien en brut. Ensuite, on a un générique instant en foil. Je le mets avec mes génériques. Là, je vais faire légèrement différemment de mon ouverture de booster. Je vais vraiment trier par classe. Gardien, brut, gardien,
Warrior, ça va vous permettre de voir bah, en fait ce que je disais depuis beaucoup de vidéos. Un petit token pour compléter mon scellé si j'ai pas assez de cartes, la petite bubble, mais bon, vous verrez qu'il y en aura assez. Ça va permettre justement de mettre en pratique ce que je vous disais il y a plusieurs vidéos, et au travers de quasiment toutes mes vidéos, que la répartition dans les boosters est extrêmement bien faite en termes de quantité de cartes dans une classe. Et vous allez voir bah, un petit peu le format ligue hein, finalement. Générique, générique, générique. Équipement. Une rare générique. Une rare guardiane. Une foil guardiane. Là ensuite, on a du guardiane, du brute guardiane, brute ninja, warrior ninja et une arme ninja. Concernant les tokens, c'est là où vous avez vos héros et vos armes. Si à l'ouverture, si à l'issue de l'ouverture des 6 boosters, vous n'avez pas le héros et ou l'arme que vous voulez jouer par rapport à votre deck, pas de souci, vous pouvez prendre dans votre collecte et jouer le héros que vous voulez. Si vraiment c'est votre tout premier achat flèche et que vous n'avez pas de carte, bah vous pouvez imprimer la carte en attendant de l'obtenir dans d'autres boosters. Ça s'obtient très facilement. Et au pire, les héros, c'est je sais plus, c'est 15 centimes ou voilà. Donc, enfin, vous en faites pas, les héros et les armes, vous les aurez tous très 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 rapidement. On en a tous des milliards, on peut même vous enfiler. Voilà. Générique action. Générique attaque. L'équipement. Une rare guardiane. Une rare ninja. Une foil ninja. On a du guardiane, de la brute, du guardiane, du warrior, du ninja. Hop. Un petit héros. Donc là, voilà, par rapport à mes ouvertures de display, quand j'ouvre pour des cartes à l'unité, là, je trie vraiment par classe, en fait. Ça va me permettre de fluidifier la construction après. Brut, générique. Ah, j'ai même pas vu. C'est où? Ah, c'est une rare générique que j'ai eue. Ok. J'en suis à la brute guardiane, brute ninja, warrior ninja, warrior arme brute. Hop. J'adore ouvrir un scellé. C'est vraiment juste dingue. Guardiane, warrior en rare. Oh, Riemann Brands foil. Yes! Bon tirage! C'est une générique. On a une brute. Guardiane. Brute. Guardiane. Warrior. Ninja. Toc. Et toc. Et pour terminer, le dernier petit booster. Rare Warrior. Super rare Guardiane. Une Cranial Crush. Comme une foil, c'est dans les équipements. Brute, guardian, brute, ninja, warrior, ninja, warrior et Katsu. Alors, je vais mettre les héros, les armes de côté avec le bubble parce qu'on s'en fiche. Les équipements, ah si, on a des équipements spécifiques de classe. On a de la brute, du ninja. Et on a du générique. Générique, je verrai ça en tout dernier avec les génériques. Là, on va voir concrètement combien on a de cartes par classe. Je vais peut-être maintenant, hop, zoomer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en Warrior, sans compter les équipements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Et pour terminer, on a le ninja. On a 10 sans l'équipement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Alors vous avez vu qu'il y a une petite disparité. 12, 13, 14 et 15, je ne sais plus. Mais voilà, en gros, ça se tient parce que même si on prend, imaginez du coup que vous voulez jouer ninja, vous avez 12 cartes ninja,
Bah écoutez, vous les prenez. De toute façon, globalement, là, ce qu'il faut faire, vous sélectionnez la classe que vous voulez jouer, soit parce que vous avez envie, soit parce que bah, ça vous paraît le plus fort. Vous prenez une classe et vous rajoutez toutes les neutres que vous voulez pour monter à 30 cartes. Donc même dans le cas où vous désiriez jouer Ninja qui n'a entre guillemets que 12 cartes, bah, il suffit de rajouter 18 génériques et vous avez votre deck. C'est aussi simple que ça que de se faire un scellé de base pour apprendre à jouer. Je dis pas qu'en faisant ça en 2 secondes, votre scellé il va briller, mais au moins vous avez un deck. C'est limite comme du Keyforge. Vous ouvrez, vous prenez une classe, vous complétez avec vos génériques. Après, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est-à-dire que vous seriez obligé, dans le cas du ninja, d'éliminer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous virez 11 cartes et vous avez votre deck. C'est tout. C'est super simple de se faire un deck. Alors après, naturellement, si on veut bien le faire, bon, bah, il faut quand même réfléchir, évidemment. Et là, je vais pas véritablement pouvoir vous donner des gros conseils parce que je suis pas un crack, hein. Alors, en ninja, on va regarder un petit peu. On a des cartes basiques avec du go again, c'est sympa. Est-ce qu'on a beaucoup de cartes combo? C'est ça qui va déterminer la jouabilité du ninja. Là, du go again basique, ça, il n'y a pas de restriction. Du go again basique, go again basique, go again basique, aucune restriction. Tout ça, on peut potentiellement le jouer. Idem. Ensuite, tout ce qui est vraiment centré sur les combos, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes sur 12, c'est la moitié. Pas étonnant, hein, Ninja, ça joue comme ça. On a du Rising Knee Trust en x3 qui interagit avec la carte Leg Trap. Leg Trap, c'est laquelle? On a deux Leg Trap. Donc il suffirait de jouer Leg Trap avant, on en a deux pour trigger les Rising. Et si jamais on les trigger pas, donc si on trigger et il gagne plus 2 de force et go again, c'est juste la patate de ouf. Et si on trigger pas, on a quand même une 0-3. Bah, c'est plutôt quand même. C'est plutôt jouable. Hein. Ensuite, on a le Blackout Kick qui interagit avec la carte Knee Trust. Avec Rising Knee Trust, pardon, bah c'est la carte qu'on a en x3 juste avant. Potentiellement, c'est jouable. Hein. Sinon, on a une 1-4, donc ça reste top. Whelming Gust Wave. Si Surging Strike était la dernière attaque, blablabla. Surging Strike, est-ce qu'on en a? On en a 3. C'est plutôt cool ce qu'on a eu. On peut trigger, je pense. Et open the center, si head jab was the last attack, est-ce qu'on a du head jab? On en a un. Ok, bon, celle-ci va se trigger moins facilement, je pense. Et pour le coup, elle n'est pas si ouf que ça, parce qu'elle vous coûte quand même 2 pour attaquer que à 3 seulement. Si vous regardez, voilà, pour 0, vous attaquez à 3, pour 0, vous attaquez à 2. Clairement, elle va être trop chère à jouer. Mais au pire, ça vous fait du pitch bleu, quoi. Donc voilà. On verra bien. Le ninja est quand même pas trop mal. Ensuite, c'est en gardien, je crois, hein, qu'on a eu nos hautes raretés. On a eu une S. Ah non, c'est en brut où on a eu une M. Parce qu'on peut aussi se dire, bah voilà, je joue le clan où j'ai eu les grosses cartes. Hein, pourquoi pas? Hein. Tiens, on va faire brut pour voir. Notre majestique brute, elle est là. C'est Alpha Rampage. On attaque. Ah ouais, c'est du lourd! Lourd, lourd, lourd! On attaque à 9 pour 3. Bon, 3, c'est très cher. Mais en pitch en bleu, ça fait qu'une seule carte. Elle a Intimidate, boum, le mec va se défausser, enfin va bannir une carte, il aura une carte de moins pour bloquer. Par contre, en tant que coût additionnel pour jouer Alpha Rampage, on discarde une carte à random. Globalement, vous allez perdre 2 cartes pour attaquer à 9 avec Intimidate. Après, c'est du scellé, hein, voilà. Plutôt quand même pas trop mal.
Une brute action pour 1. Intimidate, go again. La prochaine brute attaque action qu'on joue aura plus 1 de force. Brute attaque action, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ok, on en a plein. On en a plein. Donc Waking Below, on peut jouer. On l'a en rouge, en bleu. Ensuite, ça donne plus 3 à sa prochaine attaque. Mais pour pouvoir la jouer, on doit discarder d'une carte à 30 dômes. Bon, c'est cher, mais je pense que des attaques qui. Enfin, non, des cartes actions justement qui donnent des effets sur une attaque d'après, faut pas en avoir de trop. Et je pense que tout le reste, ce sont des attaques en brut. Non, on a ça. On a un deuxième Primal Below. Mais c'est du bleu, donc au pire, ça fait de la ressource. Il faut de l'attaque, et si possible, à 6. On en a 7, 6, 6, 7, 6, 9. On n'aurait que 3 attaques sur toutes qui seraient en dessous de 6. Pourquoi pas? On a du Smash Instinct. Hop. Oh là là, regardez, j'ai complètement défoncer la carte. Bon, c'est pas grave. Smash, c'est quoi? Ah oui, ça coûte très cher, mais ça tabasse dur et ça a Intimidate. Wow, j'ai un potentiel d'intimidation énorme. Hop, ça c'est quoi? On discarde une carte pour pouvoir la jouer. Ça attaque à 4 pour 2, c'est très cher. Si la carte discardée avait 6 ou plus, on gagne Go Again. Ouais, ça c'est pas ouf quand même. Ça par contre, c'est très bien. Pour 1, on attaque à 7, on discarde. Pour 2, on attaque à 6, on discarde. Ok. Ouais, c'est quand même pas mal. Le brut est pas mal. Après, bon, faut voir les autres. Hop, ça va être une vraie galère à construire ce deck. Ensuite, on passe au Warrior. Warrior, on va regarder tout de suite. Mais de toute façon, il n'y a que des actions. Ou attaque réaction, ça roule, c'est bien ça. Le Stroke of Foresight, est-ce qu'on en a? Oh oui, qu'on en a d'autres dans les trois valeurs de pitch possibles. Pour 1, c'est une attaque réaction, on va filer plus 3 à notre weapon attaque et ça a un effet de reprise qui va nous faire piocher une carte. Ouah, ça c'est. C'est juste super fort. C'est juste super, super fort. Nature, machin, on en a 2. Pour 1, on va filer plus 2 ou plus 3 en version rouge à la prochaine action attaque. Et si elle touche et qu'on n'a pas de carte dans notre arsenal, on reveal la top carte de notre deck. Si c'est une action card, on la met face down dans l'arsenal. Ok. C'est une pseudo-pioche conditionnée, mais qui est meilleure qu'une pioche, puisque ça handicape pas sa taille de main. Enfin voilà, on aura 5 cartes au lieu de 4. Bah c'est pas mal. C'est très bien. Overpower, on en a combien? On n'en a qu'une. Pour 3, on file plus 3. Ça a un effet de reprise qui ferait gagner plus 2. En scellé, ça peut être bien. Iron Song, reste. Pense, grosse carte Warrior, on en a 3. Hop, on a eu la version jaune qui file plus 2 en cas de reprise et plus 3 si on joue la rouge. Donc la reprise, je le rappelle, c'est si le héros adverse a défendu avec une carte de sa main durant cette chain link, on trigger l'effet de reprise. Alors je pense qu'en scellé, ça arrive quand même très souvent, puis ça coûte 0, c'est juste super fort. Sharpen Steel, on en a 2. Tiens, valeur machin là. J'en avais pas une. Ah non. Je suis en train de bugger. On file plus 1 notre attaque pour 0. Bah ok, c'est très bien. Warriors Veiler, notre next weapon attack a plus 1 pour 1. Par contre, si elle touche, on gagne go again.
C'est pas ouf, mais c'est sympa. Driving Blade pour 2, on file plus 2 à notre prochaine attaque, ok. Et Steel Blade Shunt, c'est une défense-réaction qui est plutôt pas mal, parce que pour 1 seulement, on défend à 4, et si on défend une attaque d'arme, on va coller 1 dégât au héros adverse. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle ce qui est le plus fort. Je pense que toutes les classes ont des cartes fortes, toutes les classes ont leur spécificité. Je me sens plus à l'aise avec Ninja parce que ça glisse tout seul. Ça coûte pas cher, malgré tout, bah, l'adversaire doit quand même défendre ou se bouffer les dégâts. J'adore Warrior parce que ça glisse sans doute encore plus facilement que Ninja. Là, je pense que ça serait Ninja ou Warrior. Brut, je reconnais que l'intimidation, c'est très fort. Il y a des grosses patates, etc. Mais ça coûte très cher et je me sens... Je dis pas que c'est moins fort, je dis pas dans l'absolu. Je dis pas que mon deck est moins fort, j'en sais rien. Mais là, je serais un peu moins à l'aise avec Ninja, avec Brut, pardon. Et Gardien, on va regarder ensemble, mais je sais très bien que ça sera un peu comme Brut. Je me sens pas du tout à l'aise avec cette classe. Et bah, c'est aussi une question de d'être à l'aise ou non. Hein. Cranial Crush, on en a eu qu'une. Ça coûte 6, c'est extrêmement cher, mais on attaque à 8 et elle a un effet de crush qui paralyse la pioche du héros adverse durant sa prochaine next action phase. Ah non, oui, c'est pas à sa fin de tour, c'est juste durant. Ok. Bon, c'est quand même très bien, hein, mais c'est très très cher en scellé. Je suis pas sûr que ça soit si. Enfin, si, ça va être impactant de taper à 8, c'est évident. Mais l'effet là, c'est pas sûr que ça fasse beaucoup. Ça coûte 6. Du coup, ça veut dire que vous êtes mangé toutes les attaques de votre adversaire au tour d'avant, ou presque. Vous avez défendu qu'avec qu'une seule carte, sauf si ça, c'est dans l'arsenal. C'est peut-être la fausse bonne idée pour moi. Mais bon, je vous dis, moi, gardien, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. J'arrive pas du tout à le jouer. Pour 3, on attaque à 7, c'est un effet de crush. La première action durant le tour adverse coûtera un de plus. Alors ouais, c'est super fort, hein. Je reconnais. Hein. Je reconnais. Crush Confidence, on en a 2. Pour 3, on va taper à 5 ou 7 suivant la version. C'est un effet de crush qui fait perdre toutes les habilités au héros adverse. Ok. Energy Power. Hop. Ça fait quoi déjà? On la pose pour 2. Ça go again. Au début de notre prochain tour, en gros, on va le détruire pour donner plus 3 à une attaque. Ouais, c'est pas mal. Hein, ça fait des gros, gros, gros trous. Hein. Staunch Response, c'est une défense réaction pour 2. On défend à 5 ou 6 suivant la couleur du liseré. Et en tant que coût additionnel pour jouer machin, on peut payer 4 ressources en plus, mais c'est pas obligé pour lui filer plus 3 de ressources. Alors moi j'ai jamais compris cette carte parce que payer 4 ressources, ça fait 2 cartes. Si vous n'avez pas 3 en bouclier sur 2 cartes, ouais, enfin ça arrive en phase de défense-réaction, c'est sûr que voilà, mais. Vraiment gardien, j'ai du mal. Si des joueurs gardiens peuvent m'aider, bah ça serait cool. Debilitate. Ça attaque à 8 pour 4. C'est un effet de crush et qui réduira la prochaine attaque du joueur en face à son prochain tour de moins 2. 4, 8. Ouais, non, mais c'est sûr que ça colle des patates de foin. Hein. Buckling, Blow, ça tape à 6 pour 4, c'est un effet de crush, on met moins 1 sur un target. Target Equipment, là c'est la version rouge, on tape à 8 pour 4. Ok. Stonewall Confidence, on en a 2, ça coûte 2, ça go again, ça défend à 3, c'est une aura qui va rester en jeu. Et toutes les cartes que l'on contrôle avec un coût de 3 ou plus va gagner plus 4 boucliers lorsqu'elle défend en version rouge et plus 2 en version bleue.
et au début de notre prochaine action phase, on la détruit. Donc en plus, ça va servir que en phase de défense adverse. Ouais, c'est plutôt quand même pas mal cette carte. Il y a de la défense et de la patate en gardien. Et Disable, la dernière carte, pour 5. On va taper à 7 avec un effet de crush. Et on vire la carte, une carte dans l'arsenal adverse, en dessous du deck adverse. Bon, bah comme d'habitude, hein, je ne sais pas du tout ce qui est fort, pas fort. Mais juste, je me sens moins à l'aise avec Brut, Gardien. Je me sentirais plus à l'aise avec Warrior et Ninja. Et ensuite, au niveau des neutres, on va regarder déjà les doublons. Ça sera peut-être un peu plus rapide. Taper à 5 pour 3 ou à 7 pour 3, c'est pas mal celle-là déjà. Ça, on verra. Alors ça, je sais que c'est fort, mais j'ai jamais réussi à jouer ces cartes-là. Donc ça, on verra. Pour du pitch bleu, pourquoi pas. Scar for Oscar, c'est juste génial. Ça tape à 0, ça on peut jouer. Ça, ça tape à 3 pour 0, on peut jouer. Ça, ça tape à 3 pour 0. On peut mettre une carte de notre main sur le bottom du deck. Si on le fait, on pioche une carte. Si c'est joué de l'arsenal, on gagne Go Again. Ouais, non, mais ça, c'est juste super fort. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Mais ça, on va le jouer. Sigil of Solace pour 0, on gagne 2 PEV, mais même pas. On réfléchit. Est-ce qu'on en a d'autres? On a un autre Scar. On va le jouer. Sigil. Oh là là, j'ai 2 Sigil. C'est énorme. Flock of the Feather. Je crois en avoir. Oui. Ça fait quoi déjà? En tant que coup additionnel pour le jouer, on doit révéler une carte de notre main avec un coup de 1 ou moins. Donc ça, c'est peut-être pas forcément évident à jouer. Surtout pas en brut et en gardien. Sur Ninja et Warrior, peut-être. Donc on va mettre ça de côté. Et sinon, on tape à 4 pour 1, c'est plutôt correct. Hein. Unmovable, est-ce qu'on en a un autre? Nom? Là, en théorie, ce qu'il faudrait faire, c'est que je sélectionne ma classe et ensuite j'apporte le complément des neutres. Parce que mon choix des neutres est aussi conditionné par rapport au coup des cartes, à la classe. Warrior qui tape juste avec son arme, si j'ai des attaques-réactions en générique, forcément je vais les jouer, peut-être pas forcément aussi facilement dans d'autres classes, etc. Mais bon, là j'ai besoin de faire un pré-tri de mes génériques. Voilà, ça c'est quasi sûr, je vais les jouer. Ça, je sais pas, et puis ça, on verra. Unmovable, c'est une générique défense-réaction pour 3. Si c'est joué de notre arsenal, on gagne plus 1. Pff, on verra. Nimbilisme, la next attack action card with cost 1 or less you play this turn, gagne plus 1. Si on joue une attaque qui coûte 0 ou 1, elle aura plus 3. Et Nimbilisme a Go Again. Ça, c'est plutôt très fort. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien, mais plus dans le peut-être. Ça dépendra de quelle classe on va prendre. Barraging Brown Hide. On va taper à 6 pour 3. Et si elle est défendue par moins de 2 cartes non équipement, elle a plus 1. Ça, je pense qu'on va la jouer. Razor Reflex, on en a 2. Pour 1, on va faire soit filer 2 d'attaque à une sword ou une dague. Alors, je sais plus. Je sais plus. Bon, j'ai pas eu toutes les armes. Donc, ah, ok. Le ninja est une dague et la sword, c'est pour le warrior. Donc ça, ça va me parler. Pour 1, on file plus 2, c'est sympa. Ou alors ça fonctionne malgré tout quand même avec des action cards, attaques, mais qui coûtent 1 ou moins. On va lui faire gagner Go Again. Ça, ça va être dans le peut-être, mais comme je suis quasi sûr de jouer Warrior ou Ninja, voilà. Wounded Bull, il me semble que c'est pas
la folie de ouf, même si c'est quand même des grosses patates. Si on a moins de points de vie que l'adversaire, elle va gagner plus 1 de force. C'est des attaques qui coûtent 3, qui vont taper à 5, 6 ou 7, suivant la couleur. Eh ben, j'en sais rien, franchement. On verra. non, attends. Ma pile de on verra, je les ai mélangées. Hop, 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 hop. Remembrance, ça fait quoi déjà? On va shuffle 3 action cards depuis notre graveyard dans nos deck pour 0. Ça, c'est bien. On va éviter la fatigue, on va récupérer des cartes. On joue sans hésiter. Ensuite, Demolition Crew, en tant que coup additionnel pour la jouer, on va révéler une carte de notre main qui coûte 2 ou plus. Ça attaque à 4, ça a Dominate. On verra dans le peut-être, mais je pense pas. Wounding, on tape pas 2 pour 0. Bon, on verra si on a besoin de remplir le deck. Regurgitating Slug, on tape à 5 pour 2. Et on va devoir bannir une carte qui s'appelle Slogisme. Enfin, on peut bannir une carte qui s'appelle Slogisme pour donner Dominate à celle-là. Et des Slogismes, on en a une. Et ça fait quoi? La next attack action card with two, enfin, with cost 2 or greater aura plus 5. Ouais, c'est fort. Ça, si je joue Brut ou Gardien, pourquoi pas? Et du coup, on mettra ça avec. Nimble Strike. On peut bannir une carte qui s'appelle Nimble Strike. On peut, en tant que coup additionnel, bannir une carte qui s'appelle Nimblisme depuis notre défaut. Si on le fait, ça gagne plus 1. Et go again. Alors, est-ce qu'on a mis du Nimblisme? C'est où déjà? Je dois bien en avoir quand même. Ouais, on en a une, deux. Ah, pas mal. On en a eu deux. Pour l'instant, on les joue pas. Donc, on va les mettre avec. On verra bien. Hop. Ensuite, Wounding Blow, on tape à 4 pour 0. Ouais, ça carrément. Pummel pour 2. On va choisir soit de filer plus 2 à un club ou à un hammer. Ok. Ou alors plus 2 à une attaque action card avec un coup de 2 ou plus. Ça, si on joue gardien ou brut, pourquoi pas. Et ensuite, encore un autre machin. Hop, c'était ici. On a un deuxième regurgitating. Pour 2, on va taper à 6. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, voilà, autant vous dire que je suis totalement perdu. Alors, soit je suis le conseil que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire rien de plus simple pour se faire un deck. Vous prenez une classe, vous prenez les génériques, vous virez quelques cartes et vous arrivez à 30 cartes, sachant qu'on peut aller au-delà de 30. Donc, je pense que, voilà, vu que la fatigue dans le deck, enfin, scellé arrive relativement vite. Je pense que jouer à 32, 33, 35 cartes, c'est pas idiot. Ce qui fait que c'est encore plus simple de se construire un deck parce que vous avez moins de cartes génériques à virer. Dans l'absolu, il faudrait que j'essaie d'étudier vraiment quel pool est le plus puissant. Alors après, je ne vais pas faire les championnats du monde ni rien. C'est pour jouer à la cool malgré tout. Je peux très bien monter une première version du scellé. Et puis si je m'aperçois que j'ai fait une erreur, etc., je jouerai une autre version du scellé. Je pense que c'est tout simplement ce que je vais faire. Je vais partir sur, sur Warrior. Je vais incorporer mes cartes que j'avais sélectionnées de manière sûre dedans. On en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il manque 6 cartes. Qu'est-ce qui combotte bien avec les petites cartes? Ça, c'est fort. 1, 2... 3, 4, 5, 6, on en aurait 1, 2, 3, 4, 5. On jouera à 35 cartes. Bon, écoutez, je serais tenté de dire que hop, hop, j'ai un deck de 35 cartes. Et voilà. Je vais conserver ce deck de côté. Je vais faire quelques parties en vidéo ou non.
Voilà, donc peut-être que vous verrez ça. Et puis, j'espère que vous le verrez en fait. Ça peut avoir un intérêt. Justement, je vous montrerai en partie la partie Warrior. Et puis, si je change, vous verrez ce que j'ai changé, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était aussi une manière de vous rassurer un petit peu sur comment se mettre au jeu. Et c'est super simple. 6 boosters, vous prenez toutes les cartes d'une classe, vous complétez avec les génériques. Et c'est parti pour jouer en scellé. Sachant que derrière ce scellé, vous pouvez le jouer énormément de fois. Vous pouvez, si vous partez en mode ligue, de temps en temps prendre un petit booster en même temps que votre adversaire. Vous l'ouvrez, vous pouvez l'utiliser pour compléter votre scellé. À chaque fois que vous faites un match avec un adversaire, vous regardez dans ses cartes qu'il n'utilise pas et vous pouvez lui prendre une carte et lui va faire de même. Vous allez échanger une carte pour customiser votre deck petit à petit. Et dans notre pseudo-ligue actuelle, on va incorporer petit à petit du Crucible qui servira à améliorer nos scellés. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me conseiller surtout énormément. J'ai toujours besoin d'apprendre. Et voilà. À la prochaine. Merci à tous. Des bisous.